les amis. Eh ouais. Est-ce qu'il y a moyen de faire des images ? Donc là, il fait beau, mais à destination de Cône, c'est moins évident du tout. Gaz, hélice, PPP, mélange plein riche. Donc on fait ça, et là on va aller sur Fuel Flow. Voilà, Fuel Flow, c'est bon. Donc la pompe sur ON est 7 gallons. C'est bon, on a 7 gallons. Alors, ensuite, pousser 1 cm, plein pauvre, les pieds sur les freins et on démarre. Alors là-dessus, on démarre plein pauvre. Ouais. Et ensuite, on enrichit. Ouais. Okay. Donc 114. Églou, 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 églou. On voit rien, mais on entend. Oui, on entend. Refuel, yes. Fuel on board, change. Alors, yes, alors on a mis 50 gallons. Oui, ma banane. Non. La banane 102, non. 32 de moins. 32 de moins, change. Attends, je vais soulever tout ça. Moins allez, t'es avec ton. Moins 32, moins 34. Je vais mettre là. Moi, si j'avais plus peur, t'aurais pu faire mon plafond de plafond 50. Ça, c'est la merde. Ah, t'as plus de place là, c'est sûr.
Ah bah là ça va être mieux pour toi. Hein. Change. Yes. Plus 50. Ah il tourne comme ça. Ouais. Ah, c'est... Alors, contact batterie on. Alors nous avons Régis en copie. Autonomie c'est bon, sélecteur d'essence le moins plein. Donc le moins plein, j'ai dit qu'il était à droite. Voilà. Donc c'est bon. T'as du son ? Non. On a du son ou on n'a pas de son encore ? Attends, pas encore. Non, pas encore. C'est normal. Alors, attends, la ventilation cabine, la clé en place, statique secours, toi elle est bien sûr off. Moi, ça va. Les disjoncteurs sont en place, vous êtes attaché. Attaché. Anticol. Alors, le moteur est chaud, la manette des gaz, plein gaz et l'hélice PP, mélange plein riche, contact magnéto boss. On met la pompe. Par là-bas. Bon. La merde. Putain, mais pourquoi il veut pas y aller? Il est bien ouvert, hein. L'essence est ouverte. Ouais, l'essence est ouverte. Bon. Hein. Charge alternateur, c'est vérifié. Chauffage moteur, on va le laisser chauffer. On va rentrer le plan de vol. Pompe électrique off, avionique master on. L'essence sur le plus plein. Donc le plus plein est à gauche. Hop. Et on va mettre curseur deux fois. Et on va mettre... Lock countdown. Start. Voilà. Ah là, faut pas que je le touche plus là. Alors, le plan de vol continue. Continue, flight plan, menu, catalogue, LFPL, LFGH, donc c'est bon, preview, d'accord, activate, c'est bon. Horizon de secours, il est bien, feu de neuf, c'est pas la peine, les volets sont rentrés, pilote automatique, ah. Ça a été testé. Les ceintures, vous êtes attachés ? Ouais, attachés, c'est bon. Et on fait la radio. Le truc là. On fait la radio. Rebonjour Fox, Papa de Foix. Papa de Foix, rebonjour, Transformer 3721, roulez pendant la piste 26 du rappel près. Alors 3731, on vous rappelle point d'attente 26 dur, Fox Papa de Foix. Papa de Foix, Transformer 372 unité. Ah reçu, excusez-nous, 372 unité. Alors, 372 unité, j'avais compris 31, non, merde. Voilà. Eh ben dis donc, ça a été laborieux. Ah, transpirer. Purée. Allez. On va mettre un peu de ventile hein, parce qu'il fait chaud. C'est pas gagné d'avance la synchro sur mon train. Les reflets, les machins, la trotteuse elle est pas forcément visible. Ah, il y a 88 nautiques, ça va, c'est ça. Ça va. Alors 113,6. Il marche pas de toute façon, mais ça fait rien, on va le mettre. Bien installé ? Très bien. T'es confortable, hein ? Ouais. Ah, on est bien dans cet avion, c'est sûr. Ouais. Par contre, le
plafond est bas à l'arrière. Ah bah là c'est ouais. Alors, ça c'est si bon. Hop. On n'a pas dit d'être si grand. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont larges. Ça commence déjà à chambrer. Aïe aïe aïe. Ah là là. Si tu nous entendais sur le forum, enfin sur le forum ou lors des vols simulés, ah ouais. Daniel. Ah ouais. Voilà. Et toujours un petit mot gentil pour les copains, ça va toujours. Ah ouais, j'ai pas mal. Alors attends, lui j'ai le fermé parce que là. Ah non, là il est complètement ouvert. De quoi ? Ouais, faut tirer un peu, hein ? Ouais, ouais, ouais. Ah, ça c'est un cougar. Cougar, il est bon, hein ? Ouais, il est vieux. Ah, il est vieux ? Ouais, j'en ai fait, mais il est vieux. Ouais, ouais. C'est Ousmane ? Non, c'est pas Ousmane ? Non, vas-y. C'est Janssen, on dirait, qui est là. Ouais, ouais, on dirait bien. On dirait bien Janssen. Alors. Et ce moteur, donc on est bien dans l'axe, le frein de parc est bien serré, l'essence est bien sur le plus plein. La pression d'huile, on est bien dans le vert. La tempée d'huile, on est bien dans le vert. La température cylindre, on est au-dessus de 200. On va mettre tout ça, voilà, comme ça on aura toutes les données. Il n'y a personne, on est bien plein riche, plein PPP, mais 2000. Et on fait 3 régulations. En voilà une, on perd 500 tours. En voilà deux, on perd 500 tours. En voilà trois, on perd 500 tours. C'est bon. Alors, les magnétos. C'est bon, ça ratatouille pas, on a bien repris 2000 tours. Charge alternateur, apparemment ça charge, il n'y a pas d'alarme. L'alternateur, il faut la vérifier, perd 100 tours, c'est bon. Le début carburant, fuel flow, bah c'est bon, on a toujours 7. Les alarmes sont vérifiées, le plein ralenti. C'est bon, 700 tours, c'est bon. On remet 1200. Charge alternateur, on l'a ici. Parce que là, je sais pas si elle marche bien. Apparemment, on l'a pas ici. Donc, elle est là, c'est bon. Avant décollage, donc c'est frein de parc maintenu. Contact magnéto, boss, hélice, PPP, mixture plein riche. Alternateur close. Donc, 1340. 300, ouais, il y a 20 pieds, donc ça va, ça fait un hectopascal. Manette fermée, horizon de secours, il est réglé, les commandes, attention à toi. C'est bon. Le trim de profondeur, il est bien sûr neutre. L'autonomie, c'est bon. La pompe sur on. 38 gauche, maintenez point d'attente, venez la tour. C'est pas la peine. Alors les volets, je vais mettre les volets 25. Quand on va rentrer le train, on va avoir une alarme. Mais c'est normal puisqu'on aura les volets 25. Quand on mettra volet 10, elle va s'en aller. Donc pas d'inquiétude. Alors derrière, c'est bon, vous êtes tous attachés. Attachés et prêts au départ. Les portes sont fermées. D'accord. Verrouillés. Verrouillés. En haut aussi. En haut. D'accord. La pression d'huile, elle est verte. La tempée d'huile, elle est verte. Donc le briefing décollage, on va décoller en 26. On demande une verticale 1500 pieds. Et ensuite on file sur Melun. Donc finale et piste, il y en a un en finale. Il y a lui à partir avant. Mais de toute façon, on va s'annoncer. Fox, papa deux fois, point d'attente 26, on sera prêt. Fox, papa deux fois, maintenez point d'attente, veillez à tour 118 décimal 6. On maintient le point d'attente et on veille 118 décimal 6, Fox Papa 2, à plus tard. Ouais, c'était ça le bruit. Ouais, ça a l'air refais-le. Ça a l'air d'être Janssen. Alors j'avais reculé le micro. Ouais, ouais. Mais les phares. Un bon micro. Il est d'où l'avion? Ah, il est basé ici. En libre ou souvent ça doit être un particulier. Un particulier. Ouais. En tout cas, c'est un bel avion, je trouve. Ouais. Ah, il est devant là. Ouais, il est beau, mais bon.
Ouais, je suis sur bruit des nuages, vent 210 degrés 4 nœuds. LFG, corrigé décollage 26, on décolle tout à fait. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, le plan de vol plutôt. Bon, ça va être à nous. Ouais. Ah, il y a un avion final, alors ça va. Ça sera après. Ouais. Kozak 11, est-ce qu'on peut passer en double mission avec les militaires de Roissy? On appelle Stéphanie qui nous vient de vous le dire. Pour un complet. Québec Unifor en piste 26 dur, autour d'atterrissage en 210 degrés 4 nœuds. Autorisé atterrissage complet 26 dur, Québec Unifor. Kozak 11, la tour, vous avez reçu? Et vous pouvez même dès à présent également quitter la séquence. On va peut-être passer là-bas derrière. On va peut-être passer, ouais. Donc on fera pas de vertical. Par les hautes et puis on fera pas de sortir là-bas. On fera pas de vertical. Qui disait qu'il y a des militaires en Roissy? Non, mais c'est un militaire, hein, qui... c'est un militaire qui, un hélico. Ah, d'accord. Ouais. Je refais une synchro de sécurité. Où est-ce qu'il est? Oh bah quand tu veux. Le volume radio il est où? Il est là? Non, il est ici. Ah tu l'as, ouais d'accord, ok. Bah, il pense à nous ou quoi là? Pour le moment, il n'y a pas de vent. La tour, Fox Papa deux fois. Deux fois, j'écoute. Vous pensez à nous? Bah, il y a un souci de coordination. Papa deux fois, donc bonjour. À niveau 08 dur, autorisé décollage en 220 degrés 3 nœuds. On s'aligne 08 dur et on décolle en 08 dur. Fox Papa 2, merci. Désolé pour l'attente. C'est pas grave, on pensait qu'il y avait un trafic, mais comme on voyait rien, on vous a appelé directement. C'est bien fait. À combien tu le décolles? 75. Alors, on cavale, hein. Bon, là, il fait pas trop chaud, on a pas trop d'essence. Mais tu vas voir, ça roule, hein. Ça roule, ouais. Ça roule. Là, on met la puissance sur frein, quand même, hein. Ah oui, d'accord. Parce que la piste est courte. Ouais. C'est parti. Ah, il est long à mettre en route, hein. Le frein est actif, la puissance est disponible. Pas d'alarme. Pas d'alarme. Elle tourne de Sanzette, le Renault Lambrico, rebonjour. Lambrico, l'annuaire, rebonjour, 3730 au transpondeur. Ah ouais. Positif, le train est sur rentrée. Là, on va avoir l'alarme. Hein. C'est pas celle-là. Hein. Ouais. Non, 38,2, vous êtes bien stable à 1500, vous détectez à 1700 pieds. Non, ça arrive, c'est 38,2. Tu es un. Train nautique, retour terrain 1200 pieds, Robin. Ouais, c'est 38,2. Là, ça fait du temps à rentrer. Hein. Une qui était dans 38,2, C'est bon quand même, hein. Ouais. Bah toi, il commence à pleuvoir un peu. Ouais. On s'en échappe là. Ah, t'as vu, c'est un bel avion, hein. Ah, c'est super. Ouais, c'est beau, hein. Ah, je le connaissais pas, c'est beau. Ouais, hein. C'est du... C'est beau, hein. C'est beau. Allez. Allons, tes volets. Oh,
oui, c'est un bel avion. Donc, ouais. Cool, le bimoteur remonté va courir sur votre droite dans les secondes qui arrivent. On mettra 5 minutes de plus en campagne, hein, parce que pour équilibrer un peu le réservoir. Hein. Ouais. Hein, à 35, on changera. D'accord. Ouais, là, on va éviter le grain. Là. Ah, on va mieux sortir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il est bon, hein. Ouais, ouais. 200 pieds. Allez, 24 et 24. 24-24 en croisière ? Ouais, en croisière, ouais. Et on met 18. Ah, j'avais passé ma Califa dans un marketing à... Ah ouais ? Comment ça s'appelle ? À Guillaume. Ah ouais, d'accord. Un bimoteur, non ? Ah non, c'est un mono qu'on a, hein. J'avais acheté ça pour qu'on passe le Calif principal par la route. D'accord. On va passer loin de la forêt. Ouais, ça bouille bien par là. Et même là-bas, là. 21-10, ça c'est pour Melun. On va contourner. Hein. On va contourner. Au point écho, exécuteur piste 26 dur en numéro 1 des finales. Ouais, on va contourner le 26 dur. On aurait pu passer par là aussi. Bah, ça sert à rien. Ah, il cavale, hein. Ah, bah là, on est à 135 mètres vitesse. Ah, ah, ouais. Ah, bah il cavale bien, hein. Ah, ouais. Ah, il est déjà en route. Ah bah oui, ça va vite, hein. Ouais, ça peut pas deux fois en mettant sortie de circuit par l'aide. C'est pas deux fois qu'on peut à 7000 qui teste tout à l'heure. On quitte la fréquence, on prend vers 7000, à tout à l'heure, faut pas deux, merci. Voilà. Donc on va mettre 121-10 pour Melun. Tac, tac, voilà. Alors on va contourner le grain. Et si on pouvait même pas rentrer dans la CTR de Melun, ça serait encore mieux. Ah ouais. Un peu plus à l'est et puis Ah, ça va le faire. Ouais, ouais. Non, mais c'est bon, on va... On va contourner. Ouais, c'est bon. Ouais, on va contourner. Ouais, c'est bon. Ah ouais, d'accord. Ouais, on va contourner comme ça. Bon, là, c'est un bon petit grain, mais c'est, ça va. Allez, on va mettre le PA. Hein. Tac, tac, tac. Alors, il marche pas. On va le tester, alors. On l'avait testé, pourtant. Alors, la poitrine, c'est normal, normal. J'ai le test. D'accord. Voilà, là c'est bon, tac, leading, halt, voilà, là c'est bon, là c'est lui qui travaille. Alors, on va contourner le grain, comme ça on est bien. 21-10, c'est parfait. Ah, Disney à droite là-bas, enfin à gauche. Voilà, voilà, après il y a de la bonne visée derrière. Après décollage, donc la pompe sur off, il n'y a pas pavillon, je laisse mes phares. Alors voilà, rentrée, la pompe électrique off, le PA, plein gaz régime, plein petit pas, vitesse 102, ça c'est après décollage, croisière. Donc on est bien 24-24, on va réduire un peu, voilà, 24-24. La mixture, on est bien, on va mettre un petit poil de plus. C'est rien ça. Là on va pouvoir revenir à droite. Ah ben voilà. Ah, elle est là, t'as. C'est bon un petit moment. Ah oui, tout de même. Hein. C'est juste qu'il faut qu'on mette dans le whisky de Jean-Luc. Ah. Ah putain, où est le parachute. Ah, ça va laver l'avion. Ah oui. Ah, ça va laver l'avion. Ouais. Donc Charlie, quand tu es deux fois en sortie, 7000, Paris Info 126 unités, au revoir. Sauf que là, c'est deux fois, on quitte et on passe avec Paris. Ouais, on va traverser la zone, la CTR. La CTR. Et bon, la tour, Fox, papa deux fois, bonjour. Fox, papa deux fois, madame, bonjour. Oui, bonjour madame, PA39, Fox Golf Hotel, papa deux fois, 4P
à bord, on est en provenance de l'Aigne, destination de Côte-sur-Loire. On est à 5 nautiques de votre entrée de zone par le nord pour transiter dans votre CTR sur Mike Lima Novembre. Dans l'hôtel Papa, deux fois identifié, transpondeur 3412, transit approuvé, QNH 1014. Et pour info, le vol de Mike Lima Novembre est hors service. Alors 3412, c'est bien pris pour le vol de Mike Lima Novembre hors service. On le savait déjà par le, notre PAM. Et donc on transite dans votre zone, on va maintenir 400 pieds pour le moment. Avec 1014 le QNH. Et on vous collationne le QNH à 1014 unité 4. C'est correct. Bon ben on va faire la directe, hein. Mike Lima Novembre. Hein. Voilà, direct, activate, tac, voilà, comme ça c'est bien. Donc ça, ce sont les regards de Fontenay. Sûrement, ouais. Ben, regarde Jean-Luc, à droite, là-bas. Enfin, à droite, à droite, à droite, là, Fontenay, très unique. Il va aller chercher ça. Ouais, derrière la ville, à gauche, t'as la route qui tourne, là. Et derrière, t'as une zone un peu avec croisée. C'est bon, toi, là. Ouais, juste devant, t'as la... Enfin, juste derrière, pardon. Elle monte pas, toi. Reste à 1500. Dans le vert et le jaune. Ah mince. Alors on est à 11, 11 et 5, 16, voilà, ça c'est bon. On va être en entrée de zone, on va sur Mike Lima Novembre. Je suis bien sur Mike Lima Novembre en direct, tac. Mike Plan. Ouais, je suis bien en direct. Ouais, quand je te jure. Ah non. Voilà. Ça va les pilotes derrière? Impeccable, merci. Nickel. Même les faux pilotes vont bien. Ouais, bah, c'est bien. Ouais. Je vais couper mon phare, je vais mettre les feux de nav. Voilà. Il y a un petit grain là devant. Et ce qui est bien avec ce genre d'avion, avec un PA, ça va bien quoi. Ouais. Même si c'est pas, si passe un peu de temps, il est stable. Ah bah oui, un PA, oui, il est stable. Donc voilà, donc on va sur Mike Lima Novembre, la balise. Et ensuite on fait la directe au cône en évitant la zone B de la centrale qu'on évitera au Heading. Hein. Alors, PFD Bearing, Bearing 1, je suis sûr. Bearing 1, je suis sur Nav 1. Et le Bearing 2, je vais le mettre sur Nav 2. Nav 2 qui est sur... Moi aussi, mais je vais voir s'il n'y a pas un autre vent. Il doit y avoir le vent de Nevers. Ouais. Bon, la fréquence est. Oh, bah c'est clair là-bas, tu vois. Ah, c'est impeccable. Ouais. Le vent de Nevers, la fréquence est. Nevers, voilà, c'est là, il n'y a rien. Tu regardes dehors, hein. Ah, ouais, t'inquiète. D'accord. Nevers, 113.4, donc CN 113.4. Voilà. Et on le transfère, Nevers vers. Et là, je mets Nav 2, on l'a encore pas, mais bon. On l'a. De toute façon, maintenant, bah, tu vois, normalement, le vent de Melun, il est censé ne pas marcher, mais il marche. C'est le cas. Ah, tu vois, il est là. Ah, ouais. Ah, bah, non, ça c'est Nevers, pardon. Ah. Par contre, Melun, je l'ai là, tu vois, on est, ah, ouais. On est bien dessus. Hein, ouais. Alors la prochaine fréquence ça devrait être 134.3 logiquement. Bon ben là on pourra monter à 2005. Je vais attendre de passer. Ça va. Je vais attendre de passer le vent de bord voilà, qui est là, tu vois. Donc le fioflo on est bien. Donc là on est encore à 8 plus. Ouais. 8 plus 5, ça sera 13. Et on est démarré sur le gauche. On va descendre quand même, hein. Ouais. On est à combien, là, 1005? On est à 1500 pieds, ouais. Ouais. Et on est à 136 nœuds de vitesse sol. D'accord. Donc sur le gauche, plus 5. Alors les antennes de mer, là. Ouais, c'est ça. Sainte-Assise.
C'est ça. Ah si, on voit la raffinerie aussi là-bas. Un grand puits. Un grand puits, hein. Un grand là, il y a un grand là, on va passer entre les deux. C'est quoi cette espèce de truc à gauche là? Où ça? C'est un hippodrome. Ah, il y a un hippodrome ici? Ouais. Ah, je l'avais jamais vu. Mais c'est un truc d'entraînement, hein. D'accord. Ils font pas de, tiercé là. Ouais. Ah, ouais, j'imagine. Je crois que ça s'appelle. Merde. Ah, je le savais, mais je m'en souviens plus. C'est pas Villeparisis, mais c'est un nom comme ça. Ah, ouais. Puits de pétrole. Puits de pétrole? Ah ouais. En bas là. Donc on arrive à 9h48, donc on arrive. Ce Total Papa 2 fois en sortie, 7000, même transpondeur et seule info 534.3, ils ont vos éléments. Reçu, merci, avec 7, on garde le transpondeur et on contacte 534.3, merci madame, au revoir. Allez, transpondeur 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 4, 5. C'est l'info, bonjour, Fox Papa 2 fois. Fox Papa 2 fois, bonjour, j'ai les éléments et le contact radar. Eh bien c'est parfait, Fox Papa 2 fois, merci. Golf Fox Lima, c'est estimated time of arrival at Le Touquet. Ah, il y a au Touquet. Alors on arrive à la balise de Bola. Information trafic dans vos 1h du nautique direction sens opposé de Saint-Pierre-Bas, PA32. Ah, merci, on fait passer une victoire de fois et pour info, on est en descente vers 1500 pieds, on arrive à 1500 pieds, j'ai oublié de vous prévenir. Roger, victoire de fois. La scène de X-Delta. X-Delta, j'écoute. X-ray Delta 115 approuvé et maximum. Ça sera dans une heure. Elle nous le dira hein, si c'est confidentiel. Et on va pas ou tu penses à la minute? Ouais, pour le moment, on va passer. Oui, on peut le dire, on va ouvrir l'heure, hein. Ouais. Donc, si on voit pas, on ouvrira, hein. Ça sera répété. Le choc uniforme sera qui va donner le 5. On va monter un peu à 2005. Uniforme. Raccoon 210, Fox Uniforme Sierra, Il y a combien, une minute, Ok, donc il devait être à 18 alors. Je suis pour l'instant maintenu à cause d'activité voltige en cours sur la 7410. Ok, on maintient de l'espace. Golf Alpha Charlie, identifié radar. Bien fait, le Fox Papa 2 fois, on voudra monter à 2500 pieds QNH. Fox Papa 2 fois, information trafic dans vos midi 5 nautiques, direction sens opposé, 100 pieds haut, TB20. Reçu, donc on va maintenir 1500 pieds et on montrera dès qu'on aura croisé le trafic. Le trafic, il s'est mis à 150 pieds. Say again, 11-1. 11-0-0. Roger, Fox Lima. Donc on le voit pas encore, je vais allumer mon phare. Ah. Voilà, là on est à Moray, donc c'est bon. Ça va, 210 pendant plusieurs minutes, ça fait plus. Raccoon 210 approuvé. Alpha Fox, 7000 est quitté, au revoir. 1000, au revoir, Alpha Fox. Ouais, on l'a pas, on n'a rien croisé encore. Ouais, je le vois pas. Non. On va venir un petit peu à gauche. On va te mettre là ici. Pour éviter un peu de vire. Là. Ouais. Bien, comme ça peut-être. Là ici. Victoire de foi, on part. Projet espace de Melun pour quitter. Victoire de foi, même transpondeur Melun Tour 121, décimal unité, au revoir. On met en leading, même transpondeur, si vous savez. Merci. C'est l'info de Fox Alpha 2 fois, bonjour. Fox Alpha 2 fois, c'est l'info, bonjour.
Fox Hotel Charlie Alpha 2 fois, dire que on va rester comme ça, on va contourner ça. Destination Reims-Brunet, je suis du travers ouest de Chaumont et altitude niveau 65 et transpondeur 7000, deux personnes à bord. Fox Alpha 2 fois, identifié radar 3457 au transpondeur. 3457 au transpondeur. Ce sera écho, information trafic, midi, 5 nautiques, gauche, droite, 400 pieds bas, montée C232. Ce sera écho, j'ai écouté l'information trafic, c'est du vol pour l'instant, on vous relaye. Donc ça c'est sérieux, information trafic, c'est bien la bouche, c'est bien la bouche, droite, gauche, 5 nautiques. C'est bien pris, voilà. Ah bon, il est passé, hein. Ah, il est passé. Bon, il a juste le temps, hein. Faut que j'envoie une forme papa, c'est l'info, bonjour. Bonjour, un VR 400 provenant de Charta direction de Auxerre, de Verdun à bord. Faut que j'envoie papa. Ah, ça c'est chiant, hein, c'est juste où on veut aller. Parce que là, faut pas aller, là. Faut pas, hein, parce que c'est bien... Transpondeur 7-0, ok, papa. Alors, je vois pas Moré, mais il doit pas être loin. Ah, il est parti, il est derrière. Hein. Ah, ouais, bah, bon. Ah, le trafic, je sais pas. Je vois pas. Hein. Ouais. Il est caché. Ouais, bon, on va sur le objectif. Fox, est-ce qu'il y a plus de trafic que j'ai maintenant à la montée? Connu. Ok, je monte à 35 et pour ici. Fox, c'est le papa, identifié radar. Ah, c'est pas nous. Alors on vous recontacte sur 118.050 et on va monter 2500 pieds QNH. Au midi, 5 nautiques, route au CV, tête de... 118... Alpha Charlie, trafic croisé. 05. Et Fox Sierra Echo, trafic croisé, 7000 et Paris Info disponible, 125 décimal 7, au revoir. 7000, 125, 7, Fox Sierra Echo, merci, au revoir. Je fais ça. Client. Comme ça. Donc on va y mettre 5 minutes de plus. Bonjour Fox, Papa de Foix, monté vers 2500 pieds QNH. Papa de Foix, je vous reçois 5. 5 également, Papa 2. Et non, ça s'élargit. Fox Alpha 2 fois, contactez 118, approche 134, décimal 775 avec 7000 au transpondeur, au revoir. Vous pouvez me répéter la fréquence, Alpha 2 fois. Alpha 2 fois, 118, approche 134, décimal 775. 134, décimal 775. Fox Papa 2 fois, on va ouvrir à gauche pour éviter un grain. Roger, Papa 2 fois. Ah, dis donc, il en met large, lui. C'est énorme. Ah ouais. Alors, à 25, on changera de réservoir. Ouais. Il est 25. Pardon, à 25 minutes, 25 minutes, là, on changera à droite. Golf Alpha Charlie, Roméo 4 et Roméo 175 active. Ah, dès qu'on voit qu'il y a un trou, on repart. Là pour le moment. Send information, good day, Hotel Bravo Delta India Charlie. Hotel Bravo Delta India Charlie, send, bonjour. Hotel Bravo Delta India Charlie, Mooney Mike 202, yes. VFR flight is flight plan from Lima Sierra to Fox, to Lima Fox, Alpha Fredex. Position is 7 miles southwest of Danuk. At 6,500 feet, and we will proceed by Dick Hall, Sammy. Hotel India Charlie, stroke 3, 4, 5, 3.
Hotel India Charlie, approved for descent level 5-5, radar identified. X-Ray Delta, on descend vers le 95, côté radio. Roger, X-Ray Delta. Voilà, c'est bon. On va stabiliser. Ah là, il y a un bon grain. On va passer, on va tangenter et puis... Il doit être puissant celui-là. Vous souhaitez monter? Oui, Oscar Papa, pour monter à 3500. On voit derrière là-bas. Ah, c'est bon. Donc on va pouvoir retourner. X-Ray Delta, Roméo 6, active. On va y retourner tout doucement. On va essayer de passer là entre les deux. Ah ouais. Bah, tu vois, on voit derrière lui aussi. Roméo 45 actif. Donc tu vois, on va revenir sur la fort. On va revenir dessus. Même si ça flotte, on s'en fout. Roger. Il y a 34 nœuds de travers là, on est dessous. Ah ouais, ah ouais. 34 nœuds de travers. Ah ouais. Ah ouais. T'as vu la masse? T'as vu la dérive qu'on a là? Non, là je vois rien. Ah ouais, bah là, ouais. Ah oui, effectivement, ouais. Activation des Roméo 4 et Roméo 175. Ah, on a 36 nœuds de travers. Il n'y a pas moyen de pénétrer. Négatif Alpha Charlie et donc... 36, c'est pas mal, on a pas mal. Ouais, ouais, ça fait dans les 15 degrés périlleux. Ouais, à peu près. Ouais. Ouais, tant que ça passe. Donc là on va passer, on va revenir sur notre route tranquillement. Alpha Juliette, fin des évolutions, 74. Ouais, c'est pas grave. Alpha Juliette, 7000 équiteurs. On va le contrôler, on change. Golf Alpha Charlie, je confirme les Roméo 4 et Roméo 175. Dans 20 minutes, on arrive. Prenez carte d'évitement dans les conditions vertes. Là, c'est bien, je vais changer. On a du fuel flow, c'est bon, je coupe la pompe. On a du fuel flow. Très bien. Ça marche. Est-ce qu'il y a une grande ville sur la droite là-bas? 25. Oh, on la laisse comme ça. Ça, après on rechangera le 30-30 après. Donc là maintenant on est sur le droit. Ah, c'est une belle posture sur le droit. L'autoroute, on coupe l'autoroute. Ouais, c'est l'autoroute à 6. Il fait un garage, donc là on est bien. Je bouge, c'est loin derrière. Là on est à travers de presque Montargis. Montargis, c'est là-bas. 3 personnes à bord, on a décollé de Meaux à destination de Saint-Nazaire, actuellement à 2400. D'accord, on est sur la carte. Ouais, donc là, on peut aller chercher là-bas derrière, on reprendre notre route. Effectivement, là tu t'es éloigné de 5-7-8 nautiques là. Ouais, synoptique 30. Bah, on aurait mieux, c'est passé pas. Ouais, non, mais c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, on va aller rechercher notre nav, Navarne. Voilà, comme ça, on va rechercher notre nav. Même si on passe là-dedans, on voit derrière. Voilà, on était quelque part par là, là. Avec la faute. C'est vrai que l'autoroute, c'est pas mal. Quand tu la croises, tu dis on est où? Ah, tiens, on est là. Oh, regarde, elle est fait des serpentins. Oh, on n'est pas là où on doit être. On est trop de côté. C'est un bon fin de jeu. Hein. Non, mais tu vois, on est en vol contrôlé là, donc il n'y a pas de risque. Hein. Ah. Ah, alors à droite, là-bas, ça pourrait être le patelin. Ouais, c'est ça, c'est pas pour ça. Pourrait, c'est Courtenay. Ah, c'est possible. Ah, ben c'est certain. Tu sais pourquoi je le reconnais? Non. Puisque ça a été un de mes points tournants pour la première nave vers Auxerre. En 2040, on est à dépasser aussi. À Courtenay? Ouais, pas loin. Ah oui, plutôt, ouais, effectivement. Bah, ça va nous nettoyer l'avion, c'est parfait. Et derrière, là-bas, t'as les hangars. On a un petit coucou à notre mon ami Olivier, là. Il y a le temps, là. Olivier de la Lune. Golf India, Kilo Papa, salut. Bonjour, j'ai les éléments et le contact radar. Poursuivez. Donc c'est Kilo Papa, bien. C'est joli, la flotte. C'est là qu'on est d'abord un peu. On a plus que 19 mètres là. Ah ouais, le cas va passer. Bonjour, Dixon Level 100. Voilà, je vais tangenter un petit peu pour prendre ma route vers un angle un peu plus faible. Oh, on voit derrière, donc c'est bon.
Ah non, c'est pas la bonne que... décision. Ouais, bien sûr. Ça va pas. Non. Se descend parce que 90 vers le 85. Ah tu vois c'est clair maintenant. Si c'est comme ça sur le chemin, ah, t'as pas un bus alors. On tourne autour, mais on va faire un peu. Et probablement plus bas par la suite pour repasser sous les crues. Alors, X-ray, là, je suis bien sur mon air, je suis sur mon air sur la peau. Apparemment, je l'ai, tu vois. Dans votre traverse gauche par un Boeing 737 en descente à travers votre niveau. Donc voilà, on est à deux nautiques de notre route. J'ai reçu X-ray Delta, à quelle distance le 737? X-ray Delta, il est derrière vous, il va vous dépasser dans votre travers gauche et en descente à travers votre niveau. D'ailleurs, on est allé, l'autre jour, on est allé à très peur. On a passé pour vrai, on avait un très vrai recul. Donc on a obligé nos affaires. On est travers Montargis, c'est ça? Ouais, c'est ça, Montargis. Et le point d'infos, on va aller central. Ah, c'est chien. Ouais. C'est un info de Fox Scarpapa pour un QNH régional, s'il vous plaît. Ouais, c'est clair là-bas, c'est Scarpapa, bon. Je vous rappelle. Ah, ça va aller. Ouais, ça va le faire. On a bien fait en fin de compte. Scarpapa, mais. Ouais, c'est vrai, ça va aller en fait. Voilà, on va prendre notre route. Allez, il y va. Il va chercher sa route, c'est bon. Ah ouais, c'est pas Yannick. Ah ouais. Ah, c'est un plaisir, moi je suis allé en Écosse là, il y a une dizaine de jours. Donc j'ai fait Paris-Touquet avec ça, et puis en retour j'ai fait Glasgow-Leeds. Génial. Ah ouais. Vraiment, c'est un bel avion de voyage ça. Voilà. Alors derrière c'est vraiment très fort. Ah bah derrière, ouais. Alors, ça regarde le paysage et tout est tranquille là. Je vais essayer ça GPSS. Alors apparemment ça n'a plus lieu donc je vais le tester, je vais voir si le père déclenche. Je vais enlever le nav et on va le laisser faire, on va voir ce qu'il va faire. Là il est en GPSS. Donc on va voir s'il prend sa route. Bon c'est dégagé. Alors il y a la centrale là-bas, ouais. On va droit devant. Donc on l'évitera. Hein. Là il est en GPSS, alors on va voir, j'ai retiré le nav du point, on va voir s'il prend la route GPS. Golf Alpha Charlie 7000, si vous le souhaitez, Paris Info 125 décimales 7, au revoir. Alpha 7000, Alpha Charlie, merci, au revoir. Ah, on a 16 nœuds de travers là, ça baisse. Ah. 4 par nez, c'est ça? On a 4 par nez et 15 nœuds de travers. Oh, mais toi, ça va baisser. Ouais. On est passé de Cunard. Alors, est-ce qu'il va nous prendre la route? Apparemment, oui. Oui, apparemment, il nous prend la route en GPSS. Donc le GPSS fonctionne. Alors, je vais le dire à Gérard. Tu m'as dit demain, tu le testeras. Il avait un Gérard à l'arrière. Il a volé avec, il a emmené 4 personnes. Donc, oui. Ils étaient 5 avec la chaleur. Il m'a dit que oui, j'ai vu le bout de piste. Ah ouais, t'es pas loin du bout. Hein. Ah ouais. Il faut pas avoir peur, hein. Ouais, bien sûr. Ça décolle. Ça décolle. Oui, ça décolle. Ah, ben c'est comme... j'ai un copain qui était commandant de bord maintenant, il est en retraite. Ouais. En France, j'ai fait pas mal de vols avec lui. On est parti de Singapour en 777. La nuit, il faisait 32 degrés, à pleine charge. Il me dit, tu vas voir un beau décollage. Alors on va partir, et puis la nuit, tu vois les feux rouges, les feux de piste qui arrivent, et puis tu te dis, maman, je suis encore partout. Ça fait peur, quoi. Je comprends. Ça fait... Mais bon, ça le fait quand même, voilà. On était allé à Rio aussi, à Rio, il faisait vachement chaud. Tu parles le soir aussi. Uniforme Hotel, bonjour. Ah, c'est bon, Charlie, India Uniforme Hotel, c'est l'info, bonjour. Ah, bah, ça va, ça fait quand même vachement. Allez, Rio Hotel, ils ont fait un peu de rendez-vous, hein. S'il vous plaît,
plan de vol à destination de l'île d'Angleterre, Echo Golf Mike Delta. Je suis en train de public sur le point à gauche. Pour éviter la zone de j'ai tracé comme ça. Je vais prendre un leading et puis on va faire ça. Transpondeur 7000 à vous. Il est qualifié, il y a pas celui-là. Delta, ah oui. Uniforme hôtel transpondeur 3-4-5-3. Je vais faire comme ça, je vais prendre ma route sur mon 3, sur 4, ma carte. 3-4-5-3, identifié radar. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre la mienne là, comme ça on contourne la zone. Ryanair, on va regarder les centrales là. La zone d'avant, c'est 3000 pieds, donc on est en dessous. Et on va sortir la carte d'atterrissage. On est combien? 17 minutes. Il nous reste 12 minutes, donc on laissera comme ça. D'accord. On touchera à rien. On atterrit sur ce réservoir. Voilà. D'accord. Donc ça c'est quoi? C'est cône? Ouais, ça c'est cône. Sur ça nous donne quoi? On a une piste de 800 mètres, donc on a une 11-29. Alors le vent, visiblement, ça sera sur la 11. Non, peut-être pas. Le vent vient comme ça. Non, ça sera peut-être plutôt la 29. Je pense que ça sera plutôt la 29. Il vient comme ça. Ouais, il vient comme ça. Ouais. Donc la 29 est comme ça. Bien, donc je pense que ça sera la 29. On verra ça sur place. Il est juste au GPS, qu'est-ce que je fais, 123.5, voilà, comme ça c'est bon, on a 123.5, on a 800 mètres pour se ranger, je le teste sur la donc c'est un peu comme à l'aide, hein, donc, pour pas poser les roues trop loin. Non, parce que celui-là il faut l'approcher à 80, tu vois, donc le tour de piste est par le nord, donc pour la 29 ça sera, tour de piste au nord et tour de piste au sud. Donc pour nous ça sera une main gauche, donc ça sera de ce côté-ci. Et on a la R20, mais bon elle est à 3000 pieds donc on est déjà en dessous. Le tour de piste est à 1600, donc on va rester à 2005 pour faire la reconnaissance et ensuite on descendra à 1600. Une verticale et puis tu t'arrêtes. Ouais, voilà. Des questions? Pas de questions? Ouais, ça va, je connais. Le briefing, c'est ça, hein? Ah ouais? On demande s'il y a des questions. Ah bah, il y a du simple envolé pour voler à la finale. Ouais. Regarde, c'est pas bon ça. Ah, c'est merveilleux. T'as vu? Il fait beau. C'est merveilleux. Il y en a un autre là. C'est des inverses. Ouais, puis il y a des petits stratus d'évaporation. Mais c'est rien. Et il y a de belles photos à faire. Bah tu vois, on va arriver. Il va être midi. Ah, joli. Ah, comme ça on tangente la zone, on y va. Alors. 438 Victor, contact De Gaulle Approach, 119er, décimal 850, goodbye. 119er, 850. On va descendre vers 2000, tout de suite, tranquillement. Sortir le terrain à peu près à la verticale. Ouais. C'est ma faute, faut que ce soit pas deux fois, on va descendre vers 2000 pieds QNH. Ouais, la TNA d'avant, on va aller à 2100. Alors, on va marine 10-13. Fox Papa 2 fois, 7000 si vous le souhaitez, Paris Info, 126 unités, bonne journée. Transpondeur 7000, on va prendre directement sur Côte sur 123 décimal 5. Au Roger Papa 2 fois. Merci, au revoir. Fox Kilo Papa, contacté. Voilà, transpondeur 7000. Ah, il a pas pris. Ouais. Voilà. Il veut pas de mes doigts. Allez, on descend. Ah non, c'est le contraire. Y a pas beaucoup d'activité à côte, non? Non, y a personne apparemment. Ouais. On s'annoncera à 5 minutes, là on est à 8 minutes. Ouais. Le réservoir c'est bon, on n'y touche pas. Ouais.
Bon, ouais, Fox, le Bravo India, on est en base, ouais, 4 pour un toucher. Ouais, bon, ouais, bon. Tiens. Bon, là, on s'en fout. Ah, c'est bon, là. C'est bon, là, qui parle, oui. Ah, il y a un beau petit grain, là, aussi, tu vois. Ah, ouais. 200 pieds. 150 mètres vitesse sol, là, on a plus que 12 mètres vent, hein. Ouais. La centrale de Cône à droite. Hein? La centrale de Neuvy. Ah, Neuvy. Voilà, 2000 pieds. Allez, on va remettre un peu de patate. Allez. 4. Je repasse en mode caméscope. 2004 et 24. Voilà. Ah bah là c'est un temps de curé là, regarde. Ah c'est bien là, on arrive. Tu vois, voilà, là on est bien pour éviter la zone. Ah non, la centrale, elle est dans la voilà. Régie. Elle est là. Donc voilà, comme ça on évite, on n'est pas dans la voilà. Tu vas voir Soko, Pascal. Ouais. Voilà, comme ça on va rentrer, on n'est pas dans la zone de... On n'est pas dans la zone de, d'avant, c'est ici. Il y a la CTA d'avant, mais bon, on les contacte pas puisqu'on est dans le circuit de quoi. Et on sera en dessous. C'est 2100 et on est à 2000. Donc il n'y a pas de souci. On est piste à 1600, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je me pointe à 2000. C'est 2000, bon. Ouais. Il n'y a rien qui dit que tu es obligé de faire 500 pieds. Hein. C'est... Ah ouais. Ouais. Donc tout va bien avant, il nous reste 57 gallons, donc ça va. On va mettre un petit peu de jaja à 18, voilà. 57 gallons, ça fait ça nous fera aller où si on allait tout loin maintenant? Bah à 18, donc 3 heures quoi, 2 heures et demie. Allez, 450 nautiques. Ouais. Ouais, pourquoi tu fais quand même là? Ah bah avec cet avion là, oui. Ouais. Tu vas en Écosse sur fuel ou tu fais... Ouais, on a fuelé qu'une fois au Touquet. Ouais. On a fait une fois au Touquet. Enfin, à l'aller, on a fait une fois au Touquet, une fois à Glasgow. D'accord. Et au retour, on a fait au Touquet. D'accord. On a fuelé trois fois, par contre. Et on était vachement chargé parce qu'on était 5, ah ouais. Avec des bagages. Et il faisait... Non, il faisait pas trop chaud. Mais bon, ce mois qui fait la première étape, bah, c'était pareil qu'aujourd'hui. Le coup de piste, il arrive, hein. Ouais. Voilà, on va pas mettre. Voilà, on va continuer comme ça. Et puis après on reviendra. Ouais, ouais. On va pas mettre une aile dans la zone. Non, non, la Cône, on est dans 4 minutes. Alors on va les appeler. Ouais, Côte sur l'or, Fox Papa 2 fois, bonjour. Fox Hotel, Fox Golf Hotel, Papa 2 fois, PA 32 fréquence de live pour vos installations. La verticale estimée dans 4 minutes en reporteur vertical les installations 2000 pieds QNH pour l'intégration. Apparemment c'est la 29, hein, d'après le vent, avant arrière 24 points complet. D'après le vent, mais là il n'y a plus que 7 nœuds, tu vois. Ouais, bah oui. Ouais, d'après le vent, ça sera la 20, la 29. Donc la 29, il vient bien de la droite. On fera comme ça. Ouais. Moi je pense que la 29, d'accord. Ouais. Ah. C'est une verticale ou t'as pas une verticale et on intègre les comme ça. Droite à la droite. Voilà. D'accord. Vas-y, montre-nous, Régis, montre-nous le schéma. Là, mettons, voilà, avec ton doigt, on arrive à la droite. On va arriver comme ça, on va faire une verticale, on va ouvrir et on va faire la grande intérieure. D'accord. On se passe sur la 29. D'accord. Ok. Donc on reste comme ça, voilà. Ouais. On va éviter, le bled. Ouais. Hein. Là je suis plus dans trop dans la zone de la centrale, elle est là la zone, donc je peux revenir. Alors normalement le terrain il est en bordure de Loire, il est où il y a la fumée plus ou moins. Ouais, ouais. Bah, ouais, bien, bah, complet.
Alors, avant descente, QNH c'est bon, PFD, sélecteur d'essence, donc on reste comme ça, la mixture plein riche. Le plat, donc on va mettre, je vais reprendre à la main. Allez. Voilà, PA débraillé, 1 pouce. Et on reste comme ça. Ouais, donc ça sera bien la 29. Allez, les phares. Ah, ça recule un peu là-bas, hein. Ah ouais, ouais. Ah bah ça, ouais. Pas pire que ça. Ouais. Toi, il y en a encore une. Ah ouais, ouais. 2 minutes. On va essayer d'éviter le patelin. Ouais. Et on va droit sur le terrain. Alors le terrain il est là-bas, dans la trouée là-bas. Ouais, tout à fait. Voilà, on va sur la piste. La piste là, dans la trouée où il y a le vert là. Ouais. En bordure de la route. Ouais, ouais. Alors le tour de piste est à 1600, tac 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 tac, voilà. Voilà, la visuelle. Ouais. Ah, ça, voilà. Ça sera bien la 29, hein. T'es d'accord avec moi? Ouais. D'accord. Donc on va faire le tour de piste par là. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Attends, non, la 29 c'est à gauche. Hein? Non, la 29 elle est comme ça. Donc c'est au sud. Au sud. Voilà, la 29 elle est... Elle est par là, donc c'est au sud. C'est vrai qu'on part à l'est. Ouais, ouais, c'est derrière. C'est un virage à gauche. Virage à gauche. Ah, c'est une base à gauche. Ouais. Avec côte sur l'or, faut que papa de fois on arrive vertical. On te reportera vent arrière pour la piste 29. Ouais, on va se mettre directement en vent arrière, il n'y a personne. Voilà. Ah ok. Ah tu vois, on va être juste petit stratus là. Ouais. Ok, visuel sur la piste. Voilà. Voilà. Ah il a plu ici hein. Ah ouais, il a plu. Allez, on sort le train. Train sorti, voilà, là on va prendre... Ouais. On va prendre la... Voilà, le train est sorti. Ça fait des vibrations. Un cran de volet. Ah, c'est là où tu vois qu'il galope, hein. Ah là, ouais. Ah. Ah là, on est à 102 maintenant. Allez, un cran de volet. C'est Trépani de Foxtrot Bravo X-Ray Zulu Lima, bonjour. Allez, on allume les phares. La pompe, la pompe, en provenance de Pontoise, actuellement à 2000 pieds par travers de Gisors, à destination donc de vos installations dans 3 minutes, je rappellerai vertical terrain. On va aller chercher ça, là-bas derrière. C'est 1600 pieds, je vais passer au sud du terrain nautique dans 3 minutes en route vers Le Mans. Alors, on va aller chercher ça par là. Passage. Ah non, pas encore. Alors, on aura 6 nœuds devant de travers. Bon, on a vu la biroute un peu, non? J'ai pas fait gaffe à la biroute, mais logiquement, par le vent, normalement, on est bon. Ouais, ouais. Ouais. Bah, bon château juste en dessous, Pascal, de ton côté, regarde, petite maison. Ah ouais. Attends.
plein volet. Allez. Je pars. Les phares, la pompe. Bah, 90 nœuds l'approche, c'est ça? 80. D'accord. Ah ouais. Un peu de vent de travers. Ouais, un petit peu. Voilà, là on est bien. Ouais, il y a un petit peu de vent de travers, mais c'est rien. Ouais, ça. C'est rien. Ça va se calmer. Ouais, c'est rien. Ah, pas très longue la piste, ouais. Ouais, 800 mètres. Ouais. Allez, hop. Et voilà. Nickel. Nickel. Un kiss landing. Ouais. Magnifique. Merci messieurs. Ah, c'est merci très monsieur bien. Le pilote. Très bien. Très bien. Bravo le pilote. Alors on applaudit parce que l'interro est bien ou alors on est content d'être sur la Terre. Ah ouais, moi j'applaudis le pilote. Moi je suis bien là alors. Non, parce que la majorité des gens, des passagers d'un avion, ils applaudissent pas parce que l'interro est bien, ah, parce qu'ils sont rentrés sur Terre. Ouais, je comprends bien. Écoute, sur la Fox, Papa deux fois, 180 degrés pour la piste et on roule au parking. C'est amusant, c'est un peu ravitaillé par les cowboys. Ah ouais, ici, ouais. Ah, je suis content, j'ai fait un bel atterro. Ah ouais. Ah, tu fais des belles atterros avec ces... Je me suis posé une fois à Tours avec cet avion-là, avec 22 nœuds de vent plein travers. Ah ouais. Ah bah, on a pas fait un kiss comme ça. Ouais. Ah ouais, là, on était bien comme ça. Tu regardes par la fenêtre. En venant de Saumur, ouais, c'était... Ça va, Jean-Luc a pas l'air traumatisé donc. Ouais, alors c'est bien. Pas du tout. Est-ce qu'il est moins blanc que d'habitude? Bon, notre GG, tu vois, midi, on arrive à midi. Midi moins 5, il est là. Ouais. Alors en général, je suis plus blanc parce que moins il y a d'oxygène, plus je blanchis. Et pour reprendre les couleurs, bon. Eh ben, changer. Bah, j'aurais pas dit ça moi, mais bon. Il est où notre GG? Ah, bah il est là-bas, tiens, le polo blanc. Ah ouais. Il nous attend. Enfin, il est surtout content de nous voir. Oui. Ouais, c'était pas gagné. Il va à la maison. Ouais, c'était pas gagné au poste. Ouais, d'accord. Ben on s'en fout. On a dit quoi là? Time expired. Bah, voilà, on va changer. On va changer tout de suite. Voilà. Alors là, on le met clear et puis c'est tout. On le laisse comme ça. Hein. On le remet. Cône-sur-Loire, la piste se dégage, on roule au parking. Il est parti tôt ce matin, non? Oui, à 8h, 8h30. 8h30, ouais. Et question bête, il est contrôlé ce terrain? Non. Ah oui, d'accord. Finalement, il n'a pas... Ah, il faut le marcher! Il faut le marcher en face. Ah, ça c'est bien. Ah, je le vois pas. Avec son polo blanc, on le voit. Et là, il va se faire mouiller, là, il se met à l'ombre. Ouais. Parc où on va se mettre là-bas. Ouais. Ah, on arrive pour la flotte. Ouais. Ouais, regarde la biroute. Hein. Ah ouais, elle se réactive. Hein. Bah, ouais, on a des passages comme ça. C'est des averses. Ouais. Ah, ça a mouillé ici. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais. C'est maintenant que c'est tout. La tête, tu dis, j'aurais rallié ta voiture. Salut, on s'en va. C'est pas gentil. Il a l'air un peu humide là. Ouais. On va peut-être pas sortir tout de suite parce que sinon, nous aussi. En tout cas, quand tu fais du convoyage, faut être patient après. Ah bah voilà. Ah ouais, c'est ça. Et je vois de l'aviation légère. Il y a l'atelier là. Ah oui, ouais. Et d'ailleurs, il y a notre XO qui est là-bas, non? Ouais, ça doit être lui. Non, c'est peut-être pas lui là. Il est déjà ouvert. Il a pas vu GG. Hop. Alors, piste dégagée, c'était fait. Radio, pompe électrique, c'est coupé.
les volets sont rentrés, le transpondeur il est bien à 7000, le trim on le remet à neutre, et ben tu vois on n'a pas trop la radio. Compte sur l'heure, faut que ce soit pas deux fois au parking, on quitte la fréquence. Voilà, ça c'est fait. Ah, le moteur, roulette donnée c'est bon, frein de parc serré, radio c'est fait, l'avionique power. Arc impeccable Daniel. Impeccable. Merci Daniel. Merci, merci. C'est parfait. Ah bah merci. Ça fait bon, par contre la météo c'est pas génial quand même. Bah si, oh, la météo ça a été. Bah, c'est pertinent ça, tu vois, c'est une météo comme ça, ça te permet. Ça va nous rafraîchir. Ouais, et puis tu réfléchis à ta route. Ça, ah bien sûr. Et voilà. Ça, c'est compteur, on est à 68,49. Ouais. On dirait qu'il pleut. Ah ouais, ça mouille. Qui c'est qui a un parapluie ? 49. Ah, j'ai pas pris moi. On a fait. Je pense qu'il n'y a pas de parapluie. Moi j'ai un parapluie. 1h12. J'ai pris un parapluie avec. Bah ouais. Il est midi. Effectivement, ah, tu nickel. Voyages. 1h12. Parce que bon, on a zigzagué un peu. Ouais, on a. Normalement, c'est quoi sur le trajet de base ? C'est 45 ? 40, 42. 42. Ouais. Ouais. Mais bon, comme on a zigzagué. Ah là là. Allez, un peu d'air. Ah oui, oh, ça fait du bien le poil. Ah, un peu d'air. Ah ouais. Ah, le poil d'air. Ah ouais, bien. Dehors, il... Bon, allez. Il